Good morgen, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Nishmat Chayester Bat Miriam, ainsi que le Fouat, Olivier Israël Shimon Ben Chayester, Khamshat Miriam Bat Roselena, et Binyamin Ben Chabiba. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude, de Mishnah contactez le Sabbat Minute Éternel, nous étions à Sarah Shabbat, Perik Yuzayin, Mishnah Chet. Kol Kisui Kelim, Yesh Lahem Bet Achiza, Nitalim Beshabbat. Amar Abi Yossi, Bamed Varim Amorim, Kisui Karaka. Aval, Be Kisui Kelim, Ben kach ou ben kach, nitalin be shabbat. On continue dans notre Mishnah le sujet soulevé dans la Mishnah précédente, à savoir, on parle de bonnet, Oel, c'est-à-dire dans la Mishnah précédente c'était Oel, maintenant c'est bonnet, c'est-à-dire construire à Shabbat. Je vais d'abord traduire la Mishnah, vous allez rien comprendre, mais après, comme ça, on a une base sur laquelle on travaille. Kol kisui kelim, tous les couvercles d'ustensiles, sheyesh laem bet achiza, qui ont une poignée, un anneau, un rebord, betachiza, de quoi les attraper. D'accord, on va dire une poignée. Nitalin be Shabbat. On pourra les déplacer pendant Shabbat. Amar Rabbi aussi. Il doit dire Rabbi aussi. Il nous précise. Bamed varim omrim, dans quel cas cette halakha a été dite qu'il faut qu'il y ait une poignée ou un rebord. Bekisui karka. Dans un couvercle qui couvre quelque chose, quelque chose qui est fixé au sol. Aval bekisui kelim, par contre. Si c'est un couvercle d'ustensile, benkar ou venkar, nitalin be Shabbat. Qu'il ait des rebords ou qu'il n'en ait pas, c'est-à-dire que ce soit comme ci ou comme ça, qu'il ait des rebords ou qu'il n'en ait pas, il pourrait déplacer pendant Shabbat. C'est-à-dire, si je répète entre la Mishnah, on est en train de s'intéresser à savoir un couvercle. Ça peut être un couvercle d'ustensile, d'accord? Prenez, je ne sais pas, une casserole, vous avez un couvercle. Ça peut être un couvercle, c'est fréquent, une bouche d'aération, d'égout dans la maison où il y a dessus un couvercle. Est-ce que j'ai le droit de déplacer ce couvercle pendant Shabbat? C'est le sujet de la Mishnah. Et là, il y a un paramètre original qu'il va falloir définir dans quel cas il a été dit. C'est qu'il faut qu'il y ait un rebord. Rabbi aussi, il a été un peu plus précis. Il nous a dit, si c'est un couvercle d'ustensile, c'est-à-dire un couvercle de casserole, tu peux même prendre un rond qui n'a aucun rebord, tu le mets dessus, même si c'est bloqué, c'est dur à défaire. Tandis que si c'est un couvercle de chose qui est fixée au sol, ça peut être un puits à l'époque, une bouche d'égout, et bien il faut forcément que quand tu le fermes, que ce soit encore un couvercle qui a un rebord. En réalité, la marloquette n'est pas exactement comme ça, mais d'abord on va apporter une précision super importante, différencier une notion qu'on a déjà évoquée déjà, différencier l'interdit de bonnet de construire un Shabbat entre les ustensiles et ce qui est fixé au sol. On est beaucoup plus strict sur ce qui est fixé au sol que sur les ustensiles, d'accord? Pourquoi? Tout d'abord, l'interdit de bonnet, il est essentiellement, il s'applique essentiellement sur ce qui est fixé au sol. On avait déjà évoqué, je ne sais pas moi, une fenêtre qui est sortie de son rail, une porte qu'on veut défaire de ses gonds à Shabbat, on transgresse un interdit de bonnet si je les enlève, de sauteur si je les enlève, un interdit de bonnet si je le reconstruis. Même si finalement c'est pas tellement fixé, c'est juste posé, le gant qui rentrait, c'est quelque chose, dès que tu as apporté quelque chose que tu as fixé au sol, tu l'as apporté à son état final, on transgresse l'interdit de bonnet. Alors que la même chose dans un ustensile, imagine que tu as une boîte avec, tu vas enlever la porte et la remettre, tu transgresses pas l'interdit de bonnet, parce qu'elle n'est pas fixée au sol. D'accord? C'est comme ça, il y a des raisons très, très succinctement, quoi. Ce qui est fixé au sol, donc ça n'a pas de statut d'ustensile, donc si c'est pas un ustensile, chaque fois que tu vas le mettre, il est plus fixe, parce que c'est pas un ustensile, c'est pas quelque chose qui se déplace, donc maintenant tu l'as apporté à son état final, alors que quand c'est un ustensile qui se déplace, maintenant que tu l'as mis la porte, tu vas la renlever demain. Ok, maintenant, il y a sur ça, ce que je fixe au sol, il y a quand même une petite exception à la règle, c'est ce que je fixe au sol, mais si je fixe un ustensile qui est fixé au sol, c'est-à-dire, on va prendre un cas, voilà, très bien, on a un cadre derrière moi, là. Il y a un clou qui est fixé au sol, et je le mets et je l'enlève pendant Shabbat. Je transgresse plus l'interdit de bonnet. Ah, c'est fixé au sol. Oui, mais lui, c'est un ustensile que je fixe. C'est pas quelque chose... D'accord? Voilà pour l'introduction générale. Maintenant, je reviens sur les couvercles. Et on explique, en fait, il y a trois sortes de couvercles. Il y a un couvercle d'ustensile. On va prendre un cas, une casserole. Et, à l'autre extrémité, on va dire le puits ou la bouche d'égout. Donc... Je prends un rond qui s'adapte exactement à l'ouverture. Si je le fixe sur l'ustensile, pour le moment, je n'ai pas fait de bonnet, il n'y a aucune comparaison avec bonnet
parce que j'ai juste mis couvert un ustensile. Donc, concrètement, je vous le dis tout de suite, c'est pas comme ce qui est écrit, on va expliquer mieux la mission ensuite. J'ai le droit de prendre un ustensile, un couvercle qui n'a pas du tout de rebord et le mettre, même si maintenant le couvercle il va bien se fixer, il va être très dur à retirer, même à la limite. Malgré tout, je transgresse pas aucun interdit. Pour une bouche d'égout ou, comme on a dit, un puits qui est fixé au sol, eh ben, je suis, d'après tous les avis, je suis obligé de prendre un couvercle qui a des rebords. Parce que si je fixe un couvercle qui n'a pas de rebord, alors il n'y a pas d'interdit minatoire de bonnet, parce que concrètement, c'est quelque chose, c'est un ustensile, parce que le couvercle, c'est pas quelque chose qui est, que quand je le mets par terre, il est censé rester comme ça. Il couvre momentanément, il est fait pour être retiré constamment. Mais un interdit de rabanane, étant donné qu'il n'a pas de rebord, les gens l'assimilent tout de suite avec l'interdit de bonnet et on risque de confondre avec un interdit de bonnet de construire un Shabbat. De ce fait, Rami m'ont imposé d'avoir un rebord. Donc, si je traduis ça concrètement, vous avez une bouteille qui se casse pendant Shabbat, vous voulez ouvrir la bouche d'égout par terre pour pouvoir amener tout le liquide qui est par terre, au lieu de le ramasser, c'est trop compliqué, vous l'amenez avec une raclette, vous l'amenez dans le trou, et ben, est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche d'égout ou non? La question elle est-ce qu'il y a un rebord? Et en l'occurrence, il y a en général des rebords. Ouais, on a le rond avec le côté qui dépasse, c'est pour que ce soit fait pour être mieux retiré. Donc on voit bien que c'est un objet, c'est quelque chose qui est mis au sol avec intention d'être ouvert constamment. De ce fait, on aura le droit de le déplacer, on aura le droit de l'enlever pendant le Shabbat, grâce à ces rebords, justement. D'accord? Ça, c'était les deux extrêmes et tout le monde est d'accord sur ça. Où se trouve la marloquette en fait entre Rabbi Yossi et Rahamim avant qu'on revienne dans les mots? C'est dans le cas où tu avais un ustensile que tu as fixé au sol. D'accord? Imagine, je ne sais pas comment imaginer le cas, ils n'ont pas pris d'exemple concret. Un ustensile que tu as fixé au sol, c'est quelque chose qui pouvait être. Tu as pris une bassine que tu l'as fixée au sol de manière à ce que maintenant tu voulais en faire un pressoir pour les olives ou peu importe, tu avais une bassine que tu pouvais déplacer, c'est un ustensile, donc il n'y avait pas d'obligation d'avoir un couvercle. Et ce que c'est que tu l'as fixé au sol, tu veux le transformer en pressoir d'olive, que c'est quelque chose qui doit être bien fixé au sol. Maintenant, alors là, comment le considérer? Je crois que je me suis trompé, attendez une seconde, une seconde, une seconde. Qui pliguait, mais qui souillait Kelly, même. Ouais, non, c'est ça, je me suis pas trompé, bon, prochain. J'ai cru pendant un instant que j'ai fait un petit amalgame, non, c'est exactement ça. J'ai pris maintenant, qui souillait Kelly, ma mechoubarim les karkaot. Un ustensile qui a été fixé au sol, donc j'ai pris, comme je dis, la bassine, et puis maintenant, je veux lui mettre un couvercle qui n'a pas de poignée. Comment le considérer? Le fait que l'ustensile soit fixé au sol, c'est devenu maintenant un mechoubar la karka, et donc il faut un couvercle avec une poignée, ou non? C'est ça la marloquette. Et on refait tout ça dans les mots, en fait. Le Bartonnerie qui nous précise, en fait, col, il y en a qui disent qu'il faut bien dire le mot col parce que c'est un en erreur, sinon. Il faut dire kisui kelim shechlem betachiza nitalem shabbat. Les couvercles d'ustensiles qui ont une poignée, ils peuvent être déplacés à Shabbat. On parle d'interdit de déplacer, mais on parle aussi d'un interdit de le mettre à Shabbat, ça va ensemble. Parce qu'on n'a pas le droit de le mettre, de l'ouvrir, alors on n'a pas le droit de le déplacer, c'est le même principe. Et donc, la Mishnah me dit en fait, les ustensiles qui sont fixés au sol, les ustensiles, c'est vrai, mais il faut ajouter qu'ils sont fixés au sol. S'ils ont une poignée, tu peux les déplacer. S'ils n'ont pas de poignée, tu ne peux pas les déplacer. Sur ça, bien Rabbi Yossi nous dit attention, dans quel cas, moi, je te demande d'avoir un bet achiza, d'avoir une poignée, uniquement Bekisui Karka, si c'est un couvercle de quelque chose qui est vraiment fixé au sol. Par contre, si c'est Bekisui Kelim, le Bekisui Kelim, dans un couvercle d'ustensile, même s'il est fixé au sol, eh bien, Benkar ou Benkar, c'est le Shabbat, de toute façon, tu pourras le déplacer à Shabbat. Comme ça, le Bartholomé explique la Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Slacha, Kol Tov, Salah.